Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit fini avec Swiffy en fond qui est en train de... je sais pas, il regarde dehors. Peut-être qu'il y a un de ses copains chats. Je voulais vous faire une vidéo produit fini parce que mon petit sac est plein et j'aime bien faire ce genre de vidéo. En plus de ça, il y a un petit peu... il y a des choses différentes. Donc, c'est parti. Alors en premier je vais vous parler de ceci que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un gel nettoyant détoxifiant de chez Garnier Bio à la citronnelle et j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Je pense que je testerai d'autres choses de chez Garnier Bio parce que ça a été vraiment une agréable surprise, le produit était super sympa, il m'a fallu un bon moment pour l'utiliser, c'était 150 ml, vraiment on n'en a pas besoin de beaucoup et c'était vraiment frais pour cet été, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà, c'était une curiosité à la base, je me suis dit bon, t'as déjà testé un des masques pour les cheveux de chez Garnier et tu en es plutôt contente, donc pourquoi pas tester ça. Et franchement, une belle surprise, donc je pense que pareil, je me ferai un jour une routine entière de chez Garnier Bio parce que c'est plutôt pas mal. Si vous connaissiez, n'hésitez pas à me le dire. Et du coup en ce moment j'utilise le nettoyant pour au visage de chez Olution, le Gentle Angel, qui est très 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 bien aussi. Ensuite j'ai fini un après-shampoing de chez Aubrey Organics, donc non Aubrey parce que ce n'est plus Organics, je sais pas ce qu'il y a dedans, la menthe poivrée et du romarin. Alors celui-là c'est une valeur sûre pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup depuis plusieurs années et en fait je l'ai racheté il n'y a pas très longtemps juste pour me refaire un petit kiff. Mais je l'utilise plus depuis très longtemps parce que ça vient des États-Unis et je commandais sur iHerb ou sur... il y en avait un autre, je sais plus comment il s'appelait. Et donc du coup, moi j'aime beaucoup ce produit, mais dans le sens où je vais faire venir un après-shampoing de l'autre bout de la planète alors que j'ai la marque Velleda qui est française ou Avril ou Léa Nature. Je me dis voilà, autant aller chercher plutôt des produits qui sont autour de chez moi plutôt que de faire venir cette petite chose dans un avion ou par un cargo, pardon. Donc voilà, c'est un bon produit, si je le trouve en magasin, pourquoi pas, je le prendrai. Mais ça me dérange quand même un peu dans le sens où je sais que le truc aura traversé la moitié de la planète quoi. Ensuite j'ai fini un shampoing de chez Avril à l'aloe vera qui est un shampoing nutrition. Alors je l'ai beaucoup aimé, après ils font leur job, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a pas d'effet waouh, mais ils sont vraiment sympas et ils sentent plutôt bon. Et après voilà, ils font le job, ils font 250 ml donc c'est pareil, vous en avez pour votre argent, vous en avez pour un sacré moment. Et voilà, une petite valeur sûre pareil qui est pas très loin de chez moi. J'ai fini mon déodorant Ylang Ylang Calendula de chez Schmidt. Il fait 92 grammes, maintenant ils font 75 grammes et ils ont à peu près le même prix. Donc j'étais pas trop contente de voir ça en fait. Après ça c'est vraiment pour moi un produit qui fonctionne super bien. C'est pour moi le meilleur déodorant que j'ai testé depuis toujours. Ce truc il fait environ 5-6 mois avant de le finir. C'est un produit qui vient de loin, là ça c'est vrai, c'est un produit qui vient de loin, il vient des États-Unis, il est fait au Canada. J'arrive à le trouver dans des pharmacies pas très loin. Là c'est le petit souci, c'est qu'en fait je n'arrive pas à remplacer ce produit par autre chose. Il faudrait que je cherche s'il n'y a pas des déodorants français ou européens qui ont à peu près la même la même composition. Je pense qu'au bout d'un moment ils vont commencer à se faire copier et il y aura peut-être moyen de trouver des produits qui seront à peu près similaires. Pour l'instant j'ai pas encore trouvé et c'est vrai que ça m'embête. Après comme je l'utilise pendant 5-6 mois, je sais que deux fois dans l'année je vais commander, souvent je commande aussi pour mon copain, j'essaye en fait de regrouper les achats, mais c'est vrai que il faut vraiment que j'arrive à trouver quelque chose pour le remplacer quoi.
Alors ensuite, j'ai fini ma crème pour les mains de chez Lait de Jument de Camargue. Celle-ci, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. J'aime beaucoup cette crème et il va y avoir le marché de Noël à Montpellier et j'irai voir si elle y est ou pas. Comme ça, j'en profiterai pour racheter une crème pour les mains parce que celle-ci, elle est vraiment cool. Elle pénètre dans la peau, elle est made in France, elle est faite en Camargue, elle est faite non à Arles, pas très loin. Les juments sont en Camargue, mais sinon c'est à Arles, dans le 13e dans le département numéro 13, dans le 13e arrondissement. Non, Aurore. Et voilà, j'aime beaucoup. Pareil, elle n'est pas très grande, hein, elle fait je sais plus combien de millilitres, mais en fait on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup, donc moi ça me dure vraiment franchement au moins 6-8 mois. Donc voilà, pareil, valeur sûre. Et j'ai fini un petit échantillon de crème pour les mains de chez Olution Happy End qui était assez sympa, mais j'ai pas trop aimé l'odeur. Je pense qu'il y avait une odeur un peu de dani ou de réglisse, je sais pas trop. Mais le job était vraiment, elle fait son job, mais j'aimais pas trop l'odeur. Je l'ai utilisé quand je suis partie en voyage parce que bah, c'est cool, c'est un tout petit échantillon. Et voilà, c'est pareil, c'était un bon petit truc à découvrir. J'aime beaucoup la marque Olution. Ensuite, j'ai fini ma bougie Jardin d'Asie de chez les bougies de Charou que j'ai acheté sur Montpellier dans la boutique physique, qui sentait tellement bon. Cette odeur, elle est vraiment bonne. C'est vraiment une odeur, moi, que tout y est pour que j'aime. Ça fait un peu parfum pour homme, un peu oriental, un peu sensuel, un peu chaud. En même temps, réconfortant. Enfin, moi, c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc, celle-ci, bah, je valide et j'irai en racheter. Et si elle existe en plus gros, je l'achèterai en plus gros. Là, en ce moment, je fais brûler Clean Coton de chez Yankee Candle. Cette odeur est tellement réconfortante pour moi. Et ça me rappelle quand j'habitais sur Nancy, que je faisais brûler cette bougie chez moi dans mon salon. Et j'adorais cet appartement, j'adorais ce parquet au sol, cet appartement ancien avec la neige qui tombait et tout. Je suis vraiment nostalgique de cette période et je suis vraiment nostalgique de cet endroit. Vous avez Swiffy qui est en train de se laver en fond, c'est génial. Non mais vas-y, il n'y a pas de problème, hein. Je sais que de toute façon, du moment que tu es derrière moi, on m'écoute plus en fait. Tiens, fais-lui la peau. Oui. Ce que je viens de lui jeter, c'est un petit rat que j'ai acheté à Ikea il y a... Oh, je sais plus, on était sur Paris. Donc ce petit rat d'Ikea, il a au moins 4-5 ans. Et donc du coup, Monsieur Swiffy adore ces petites choses. Vous allez à Ikea, vous achetez ça, je sais plus, 1 ou 2 euros, même pas, je crois que c'est 99 centimes. Et puis voilà, pourquoi se prendre la tête à acheter des jouets chers? Tu veux jouer, toi? Bref, ensuite j'ai utilisé 3... complément alimentaire, un en fait activateur de transit et un c'était du charbon. En fait j'ai eu des problèmes au niveau des intestins et c'est seulement en train de se résoudre au fur et à mesure, mais j'ai les intestins qui étaient feignants et donc du coup je me suis dit je vais essayer des compléments alimentaires. Bon au final ce ne sont pas les bons compléments alimentaires que j'ai pris. Ensuite j'ai été voir un médecin et mon ostéo aussi m'a dit de rééquilibrer complètement la flore intestinale avec des probiotiques, avec de la glutamine, avec du zinc et du magnésium. Si ça intéresse certaines d'entre vous, n'hésitez pas à me le dire et je ferai une vidéo là-dessus parce que ça a été un an vraiment de galère où j'ai ciblé des choses alors que c'était pas les bons. Donc voilà, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo là-dessus. Et enfin, on m'a envoyé Luxeol, donc j'ai testé pendant un mois pour la pousse, la croissance et la fortification des cheveux. Un mois, c'est bien trop court pour vous faire un récapitulatif et pour vous dire si ça a fonctionné ou pas. Moi, personnellement, j'ai pas vu grand chose en un mois. Là, par exemple, je suis en train de faire Renobiol pendant 3 mois et là, je vais voir, bien sûr, du changement. Mais là, c'était bien trop court pour avoir un avis et pour vous faire un feedback sur la pousse des cheveux ou des ongles. Donc, voilà, je l'ai pris.
et c'est tout. Je peux rien vous dire d'autre. Et enfin, le dernier produit, c'est ceci, cocasse, des tablettes avec, en fait là c'est tomate que j'ai fini, il me reste carotte et betterave. Ce sont en fait des petits cubes comme ceci, un peu comme une tablette de chocolat, où en fait vous avez 24 petits carrés de tomates concentrées un peu, c'est un peu comme les cubors sauf que là c'est à la tomate, et vous pouvez l'utiliser de manière râpée sur une salade ou des pâtes, j'adorais. Soit vous le faites fondre dans de la crème fraîche ou dans un peu d'eau et ça vous fait une sauce. Vous pouvez faire fondre et mettre ça dans un cake, une mousse, faire une mousse à la tomate par exemple, ou une émulsion, c'est super pratique. Vous n'avez pas de sauce, vous avez juste envie de vous faire des pâtes et de pas vous prendre le chou. C'est super bon, c'est concentré. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé et ça a été une découverte. Parce que... C'était comment qu'on a eu ça? Ah si, mon chéri, il a fait le Secret Santa au travail et on lui a offert ceci. Et en fait, il me les a ramenés. Il m'a dit, ah, je connais pas. Est-ce que tu connais? C'est bio. C'est agriculture biologique. Et je lui ai dit, je ne connais pas du tout, et ça a été vraiment une très bonne découverte, et je vais continuer d'en racheter parce que c'est super pratique. Donc si vous connaissez pas, n'hésitez pas à faire des recherches. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire où vous les trouvez et ce que vous faites avec ces petites choses, parce que franchement, pour moi c'est un truc de fou ça, et c'est vraiment une belle découverte. Donc voilà, dites-moi si vous connaissiez ça, parce que moi je ne connaissais pas. Et voilà. Je vous ai parlé de tout. Ah, vous avez pas sa tête, vous avez son bidon. Je vous ai parlé de tout. J'ai fait une... Enfin, je voulais pas trop avoir trop de produits parce que sinon ça fait des vidéos à rallonge. Comme ça, là, ça fait un format un peu plus court. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi, vous, les produits que vous utilisez en ce moment, les bonnes découvertes que vous avez fait, par exemple. Et voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.